que dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Devant, il est Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il est le prophète. Le roi, tout l'appartenu. Derrière le prophète, il y a passé firme. Il est l'heure de mon corps. Et derrière firme, il y a cette église. La révélation de qui est Jésus-Christ. J'ai changé de nom, de nom croyant, croyant. Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ. Oui, et voilà l'enseignement. C'est qui peut attirer. Prendre notre Bible et nous lirons quatre passages. D'abord dans Exode chapitre 23 du 20e au 26e verset. Ensuite nous lirons dans Malachie chapitre 4 le 5e et le 6e verset. Troisièmement, nous lirons dans Jean chapitre 4, du 20e au 24e verset. Enfin, dans Jean chapitre 8, du 30e au 36e verset. C'est une longue lecture. Nous lisons. Exode 20 à 26. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Lisons même le 27 là. On peut ajouter 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Malachie chapitre 4, le 5e et le 6e verset. Voici,
Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer à lire. Jean chapitre 4, du 20e au 24e verset. Nous lisons. Voilà, maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Je lis juste pour gagner le temps. Mais vous pouvez lire tout le chapitre, l'histoire de cette Samaritaine. La femme samaritaine. Alors nous lisons de 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi. L'heure vient. Wakati inakaribia. On ne sera ni sur cette montagne. Yenyewe aistakuya wala kuyimulima. Ni à Jérusalem. Wala kuyerushalemu. Que vous adorerez le Père. Wenyewe mutabudu Baba. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Munabudu kitu amufamu. Nous adorons. Sisi tunabudu. Ce que nous connaissons. Kitu tunafamu. Car le salut vient des Juifs. Kwa sababu okovu inakuia ni kumayahudi. Mais l'heure vient. Lakini wakati nakaribia. Et elle est déjà venue. Na yo yenyewe ishakufika. Où les vrais adorateurs. Ambamo waabudu wa kweli. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Watamwabudu Baba muro na muukweli. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Kwa sababu ni wale tu njo waabudu wale Baba anatamani. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Inabidi yoyote mwenye kumwabudu amwabudu katika roho na muukweli. Enfin, Mishayo, nous prenons Jean chapitre 8, du 30e au 36e verset. Kwanzia kushairi ya makumi tatu, makumi tatu na nane. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vile Yesu alianza kusema, watu wengi wakamwaminia. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Nakambia mayahudi wale walimwaminia. Si vous demeurez dans ma parole. Mukitumu ndani ya neno. Vous êtes vraiment mes disciples. Kweli kweli nini ni wafasi wangu. Vous connaîtrez la vérité. Mutatambua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli utanitia huru. Ils lui dirent. Wakamwambia. Nous sommes la postérité d'Abraham. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Kamwe atuyakuyaka wa watumwa wa mutu. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Namuna kani utasema tutakuwa huru? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Mukweli, mukweli na wambia jinsi Yesu aliwajibia. Quiconque se livre au péché. Yoyote anajatilia kuzambi. Est esclave du péché. Yeye ni mutumwa wa zambi. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Japo mutumwa kila mara ashibaki yake paka munyumba. Mais le fils y demeure toujours. Lakini mwana anabaki katika nyumba. Si donc le fils vous a franchi. Kama kumbi mwana anamitia uru. Vous serez réellement libre. Kweli kweli mutakuya uru. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno lake. Amen. Amina. Nous continuons toujours dans notre thème. Tunaendelea paka na tema yetu. Où nous parlons de la conduite. Ambamo tuko nasema njia ongozi, l'ordre, utaratibu, la discipline, madibisho, et la bonne attitude, na ali nzuri, dans l'adoration d'après le prophète William Marion Branham. Katika kuabudu na nabii William Marion Branham. Ordre, conduite, ordre, discipline, ongozi, utaratibu, madibisho, et bonne attitude,
dans l'adoration d'après le prophète William Marion Branham. Na alinzuri mukwabudu kulingana na William Marion Branham. C'est le thème, tous les sujets que je prends, c'est en rapport avec l'ordre, en rapport avec la conduite, en rapport avec la discipline, en rapport avec la bonne attitude. Il est njo tema kubwa ma ajili ngine ile tunachukua ni kulingana na utaratibu, kulingana na madibisho, kulingana na ongozi, kulingana na kuabudu, kulingana tena na William Marion Branham kama nabii wetu. Amen. Amina. Si je peux rafraîchir votre mémoire. Kama nawezi kubikumbusha kwa kidogo. Frère Branham nous dit, nous avions déjà lu ça. Nduku Branham anatuambia tulisomaka. Le sujet c'est ajili ni la religion du sang. Dini ya damu ou la religion de la délivrance. Wala dini ya ukombozi. Amen. Amina. La religion du sang. Dini ya damu ou la religion de la délivrance. Wala dini ya ukombozi. Nous avons vu avec vous, tuliona pamoja na nini, que tout ce qui existe a commencé dans la Genèse. Ya kusema kyote chenye kuwako kilianzia ni mwanzo. La Genèse, mwanzo, c'est le livre de commencement. Il est ndio kitabu cha mwanzo. Amen. Amina. Amen. Amina. Je relis un peu ça. C'est dans je restaurerai. Nitasoma kwanza ile. Ile ni katika nitarudisha tena. Vous aviez déjà ça, je relis pour rafraîchir votre mémoire. Tusha kumisomea kayo lakini nasoma tena ndio kubikumbusha. Dans le message je restaurerai. Katika maubiri mimi nitatengeneza vyote. Il avait prêché le dimanche 26 juin 1955. Ile arubiri Jumapili tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 5 na 5. Au paragraphe 14. Kipindi ya 14. Je lis au milieu du paragraphe 14. Niko nasoma mule katikati ya kipindi. Frère Branham dit eh bien. Ndugu Branham anasema vizuri. Le livre de la Genèse. Kitabu cha mwanzo. C'est le commencement. Ile ndio mwanzo. Le mot même Genèse. Musemo yenyewe mwanzo. Signifie le commencement. Ile kuna maanisha mwanzo ya kila kitu. Tout commence dans la Genèse. Na kweli vyote vinaanzia ni katika mwanzo. Le mal commence dans la Genèse. Ubaya ulianzia ni mwanzo. Le bien commence dans la Genèse. Na hata vizuri ilianzia ni mwanzo. La vie commence dans la Genèse. Uhai ulianzia ni mwanzo. La mort commence dans la Genèse. Hata lufu ulianzia mu kitabu cha mwanzo. La création commence dans la Genèse. Hata umbaji ulianzia mkitabu cha mwanzo. Chaque religion, kila dini, commence dans la Genèse. Ilianzia mkitabu cha mwanzo. Est-ce vous êtes avec moi? Eti mko pamoja nami? Chaque religion commence dans la Genèse. Kila dini inaanzia ni mkitabu cha mwanzo. Chaque esprit a commencé dans la Genèse. Kila roho ilianzia ni mkitabu cha mwanzo. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc c'est ainsi que kumbi njo kwa mana là dans la Genèse. Mule mkitabu cha mwanzo. Comme on nous dit, la religion a commencé là-bas. Nous avons déjà vu quand Adam et Ève, wakati Adam na Hawa, après la chute, kisha wao kuanguka, quand ils ont péché, wakati walitenda zambi, ils se sont vus nus. Wakajikuta ya kama walipia uti. Ils ont cherché des feuilles de figuier. Wakatafuta mayani ya mtini. Pour se couvrir, pour cacher leur nudité, et ils fuyaient. Et c'est Dieu qui est descendu, qui est allé à leur recherche. C'est là que nous avions vu que c'est toujours Dieu qui a toujours cherché l'homme. Notre Dieu, sa nature est immuable. Il est le Dieu immuable. Dont les voies sont immuables. Dont la puissance est immuable. Tout autre chose change. Tout change. Les hommes changent. Le temps change. Le climat change. Maintenant il fait froid. D'ici le mois de novembre et d'octobre, il fera très chaud. Ça change. Un homme peut changer. Une femme change. Tout change. Mais Dieu ne change pas. Dieu est immuable. S'il a fait quelque chose dans la Genèse, il fera la même chose dans l'Apocalypse. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Ce qu'il avait fait au commencement, il le fait à la fin.
C'est ainsi qu'au commencement, c'est lui qui est allé chercher l'homme. Amen. Amina. Et nous voyons na tunaona que la, la dénomination, ya kusema zeebu, l'organisation, matengenezo, a aussi commencé dans la Genèse. C'est ça que nous avons appelé la religion des feuilles de figu. Ce que vous faites par vous-même, qui cherchez à plaire à Dieu, vous ne voulez pas suivre la voie pourvue par Dieu, vous sentez plus sage que Dieu. Et frère Branham a prêché un message. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc la dénomination a commencé dans la Genèse. Kumbi zebu ilianzia ni mukitabu cha mwanzo. La religion des feuilles de figuier. Dini ya mayani ya mtini. Mais la véritable religion. Lakini dini ya kweli. A aussi commencé dans la Genèse. Ilianza nayo paka katika kitabu ya mwanzo. C'est la foi que Dieu nous a donné. Njia ile njoo yenye Mungu alitupatia. Il y aura un chemin frayé. Utakuwa njia yenye kupasuliwa. Une route sainte. Njia takatifu. Où seuls les rachetés marcheront. Ule ni paka wakombolewa watatembeleaka. Ceux qui marcheront sur cette voie. Wale watatembeleaka mwile njia. Même les insensés. Hata wapumbafu. Ne pourront pas s'y perdre. Sur cette voie, il n'y aura pas de bête féroce. C'est la voie que Dieu a frayée. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu lui-même. Akashuka peke yake. Il a immolé nanyo. Akachinja mwana kondo. Le sang a été répandu. Damu ikamwangika. Il a pris la peau de cet agneau. Akachukua ngozi ya nyama. Si c'était un seul ou bien deux, je ne sais pas. Kama ilikuyaka ni mwana kondo moja wala mbili misijue. Pour kupata kongozi ya kuenea kuwafinika wao wawili. Il les a revêtus. Akawavisha. Suivez frère Branham. Musikilizeni nduku Branham. Frère Branham dit ceci. Nduku Branham anasema hivi. Dans le message, la restitution de l'arbre épouse. Katika ujumbe kurudisha kwa muti là, il définit c'est quoi la religion. C'est une couverture. Adam et Ève ont péché. Adam na Awa wakatenda zambi. Ils sont venus. Wakajikuta kama walikuwa uchi. Ils ont cherché à se couvrir. Walitafuta kudifinika. Et Dieu est venu. Na Mungu alikuja. Il a immolé nanyo. Akachinja mwana kondoo. Les a recouverts. Akawavisha. C'est quoi la couverture? Ni nini kifiniko? C'est ce qu'on appelle la religion. Dans le message de la restitution de l'arbre épouse, katika mahubiri kurudisha kwa muti bibi harusi, qu'il avait prêché le 22 avril 1962, ya tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 62, paragraphe 160 et 61, kipindi 160 na 161, frère Branham dit, nduku Branham anasema, remarquez donc, tazameni kumbi, eh bien ce petit jelek a commencé à percer pour s'introduire dans l'écorce. Huyu jeleki kidoko akaanza kudipenyeza njo kuingia mulikanda. Là, il explique comment l'arbre épouse qui était planté à la Pentecôte, cet arbre a été détruit par des démons catholiques, des démons dénominationnels. Apa ekuna fasiria ile muti bibi harusi ile ilipandiwaka ku Pentecôte vile iliharibishakwa na hii mapepo chafu ya kikatoliki na ya mazebu. Le même esprit antichrist. Ile roho moja moja mpinga Kristo. Qui a changé de forme chaque fois. Ilianza kubadilisha tu umbo kila mara. C'est le même mystère. Ni ile ni kilulu kimoya kimoya. Dans ces différentes phases de développement. Muma atua tofauti ya kubadilika kwacho. Il est d'abord le gazam. Mbele ni gazam. Il vient. Anakuja. Il s'attaque aux fruits de l'âme. Anakuria matunda ya muti. Les fruits de l'esprit. Matunda ya roho. La joie du salut. Furaha ya wokovu. La paix. Amani. La bonté. Uema. L'amour. Upendo. Le gazam est entré. Gazam akadingiza. Il a rongé. Akakula ile matunda. Tous les fruits. Akakula yote. Au point où les gens commencent à chanter dans l'église, ils n'ont plus la joie du salut. Munukta kusema watu wanafika muali ya weku na imba kanisani, lakini wana na furaha ya wokovu. Quelqu'un frappe les mains. Mutu kuna pika tu mikono. Sa pensée ailleurs. Ma akili yake eku na waza bitu bingine. C'est le gazam qui avait fait ça. Ni gazam ndio alitenda kitu kia vile. Amen. Amina. Il n'y a plus d'amour. Akuna tena mapendo. On parle
à mal les uns des autres. Dans l'église, on commence à se méfier. Il y a eu le Nicolaïsme qui est entré. Les dignitaires qui sont entrés. Des gens importants selon ce monde. Des gens qui ont beaucoup de richesses. Quand ils sont arrivés à l'église, alors qu'ils étaient une adoration libre, la Pentecôte n'est pas une organisation. Qui Pentecôte a une tengenezo. La Pentecôte est une expérience. Pentecôte ni maisha binafsi. Quand l'église a commencé, wakati kanisa ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont sortis na waritoka, et ils parlaient. Et tout le monde les entendait dans sa propre langue maternelle. Na watu wote wanaanza kuwashikia katika lugha yabo ya kwapo. Lui parle. Yekunasema. Toi tu entends le chokwe. Wako unashikia mukika chokwe. Tu entends. Huko unashikia mukia kwenu. Kiruba. Unashikia kiruba. Kibangu bangu. Unashikia kibangu bangu. Kiemba par exemple. Unashikia kiemba. Tu entends. Unashitanga eh. Mais ces gens. Sasa babantu. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Pote aina baya mama yauti. Comment je les entends qui sont là? Kanini unamushikia unasema mukisonge. Kikanyoka. Niko nashikia mukikanyoka. Comment ça? Namuna kani? C'était un miracle. Il y a qui avait organisé ça. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amina. Le Saint-Esprit nous l'organise. Nous venons même quand il y a des réunions du Saint-Esprit du baptême. On s'attend au Seigneur. Nous disons seulement quelque chose va vous arriver. Toi seul tu seras témoin de ce qui va nous arriver. Et c'est une expérience inoubliable. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu le sens, il est là. Tu n'es plus la même personne. Tu ne penses plus de la même manière. Tu ne penses plus de la même manière. Tu n'as plus le même désir. Tu n'as plus les mêmes ambitions. Inabadirika. Tu désires le ciel. Unatamani kwenda mbinguni. Unamupenda Mungu. Tu aimes les affaires de Dieu. Unapenda makazi ya Mungu. C'est quelque chose d'état. Yani kitu fulani kinakutendekea. Amen. Amina. Cette expérience. Ile maisha binafsi. À la Pentecôte. Ya ki Pentecôte. Mais là, les dignitaires sont entrés. Jo wakati wa mamlaka waringia. Quand on prêche comme on prêche là. Watu wa heshima wakati wako na hubiri. On voit un individu bizarre. Banaona tu mtu moya wa hali moya ovyo. Mwenye kujaziwa na Roho anasema haleluya. Haleluya. C'est vrai ça. Ni kweli hii. Les dignitaires commencent à se plaindre. Jo watu wa heshima wanaanza sasa kuomboleza. Dans votre église là, il y a beaucoup. Mwile kanisa yenu mume makelele mingi. Il voit les diacres. Banaona mashema. Il m'a beaucoup dérangé. Ule ndugu alikuwa pembeni na nizuru kabisa. On commence à suivre les frères. Banaanza kufuata ule ndugu. Ikala kim. Maintenant, frère Branham dit, c'est devenu comme dans une morgue. Ça, ça nduku Branham anasema, iku sa, munyumba ya wafu. Calme. Kimya kabisa. On prêche, les gens regardent. Beku na ubiri, bantu washa kuangala. Il y en a qui dorment. Bengine bananza kulala. C'est ça le diable, c'est ça qu'il veut. Ule njo shetani, njo kitu kuna tenda. Tu viens devant la présence de, dans la présence de Dieu. Unakuya muwepu wa Mungu. Et le sommeil s'installe en toi. Na bushingishi bunajipanga ndani mwako. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Vous voyez des gens les grands de ce monde ici. Angariani watu wakuu wa muidunia. Il y a des événements, il y a des ceci, il y a des cela. Huko matukio huko bantu wenye kukeshi wenye kushimama pale. Mais ici le roi des rois est là. Sasa hapa mfalme wa wafalme le seigneur des seigneurs est ici. Bwana wa bwana yuko hapa. Tu es venu le rencontrer. Wewe unakuja kutanishana naye. Tu as un problème. Huko na mambo. Et tu dors. Na unaanza kulala. C'est que tu ne crois pas. Yani au amin tu ne sais pas. Il est là. Ah, ujua ya kusema yeko hapo. Il te voit. Yeko kona. Il t'observe. Eko nakutazama. Et toi tu dors. Na wewe kuna. Hallelujah. Hallelujah. Donc ça c'est le gazam. Ile ni gazam ularikuriaka. Après. Kisha. Qui est venu? Il a changé de forme. Anabadirisha sasa umbo. Il est devenu le jelek. Anakuya jelek. D'abord la sauterelle. Anakuya mbele panju. Les feuilles. Anakuja mayani. Et frère Branham dit les feuilles c'est la communion. Na ndugu Branham anasema mayani ni ushiriki. Hallelujah. Hallelujah. Les feuilles ont leur importance sur l'arbre. Mayani iko na lazima yayo kumuchi. Quand un pèlerin fatigué vient. Wakati msafiri mwenye kulemewa anafika. Après un voyage. Wakati iko na safari. Tout en transpirant. Mwenye kuchoka kabisa. Il a besoin d'un ombrage. Anahitaji kimvuri.
pour s'abriter un peu, se reposer. C'est ça l'église. Et les gens viennent. Au lieu de trouver l'ombre, ils trouvent des piquants. Parce que les feuilles, mon frère Branham explique, il dit qu'à Tucson, c'est un désert. Les feuilles qui étaient tendres, à cause de la sécheresse, à cause du climat désertique, ces feuilles sont devenues des piquants. Il n'y a plus la tendresse. Vous êtes à l'église, quelqu'un vous fait comme ça. Le diacre dit, je m'assois à la cambia, dad, ndou. Tu dors. On a là, 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 tu les regardes. Tu l'as piqué. Pas le, on a moutouanga mouiba. Tu as piqué. On a moutouanga mouiba. Il est parti déçu. Anenda mwenye kufazaika kabisa. Le diacre vient te rappeler, frère. Je m'assois à la cambia, ndou. Le pasteur avait dit. Pasteur a risema. Il faut lire. Il a pendeza kusoma kumilango. Administrateur, il faut veiller sur ça. Nous amis, il n'a pas les inscriptions là. Éteignez votre téléphone quand vous entrez. Il faut refaire parce que les, ça a changé. Les trucs propres là. Tout, éteignez le téléphone. Jima chombo yako ya simu. En venant vous venez c'est écrit. Wakati kunakuya unasoma tu ile maandiko mzuri. Comme vous n'êtes pas une brebis. Sasa vile wewe hauna mwana kondoo. Vous êtes un bouc. Sasa vile ukubebero. Tetu. Mwenye kuwa na kichwa nguvu. Sasa entrave votre. Unaingia na chombo yako ya simu. Alors on vient vous rappeler. Banakuya banakukumbusha. Fuetende. Inapendeza kujima chombo ya simu. Pika. Na unatwanga. Nous avions dit sauf ceux qui ont un service qui sont peut-être des services qui peuvent être appelés au service d'un médecin ou bien quelqu'un. Tourisme, manipulation. Pour parler, beaucoup katika makazi ari. Chosazingine okumunga askari kama kukuitaji. Ça c'est l'ordre que je donne, c'est l'ordre. Ile ni utaratibu ile mina leta. Je suis dans le thème. Mimi kukatika tema utaratibu. Vous mettez ça en mode vibratoire. Unaweka ikuye mu hali ya kutetemeka. Nous vous avons dit, nous ne voulons pas l'église, les Bibles dans les téléphones. Parce que nous avons découvert que beaucoup, alors qu'ils font semblant de lire la Bible, à l'église, il est en train de chatter. À l'église, kanisani. Une fille là-bas regarde. Tu peux sortir, je t'attends au coin. Comme ça, il allait aux toilettes. Ou bien, il va d'abord là-bas. Analanda sa nenda kumacho. Et puis, kisha na ondoka kwa maramoya na diendezi. Miséricorde. Eh, rema. C'est pour vous aider. Hii ni njua kumisaidia. Pas de téléphone. Apana kuingia na chombo ya simu wazi. Tout ce qui domine sur vous. Je vais lire, je vais arriver là. Kyo, kipiku na kutawala. Cela devient une idole. Il inakuya ni sanamu juu yako. Le téléphone c'est un outil, c'est quelque chose qui nous aide pour la communication. Chombo ya simu ni musata ni kitu kile kinatusaidia njoo maongezi. Toi. Kwa mbali. Sasa weye. C'est seulement quand tu dors, même quand tu dors le téléphone est toujours ouvert. Ni paka wakati na sasa zingine ni wakati yenyewe kunalala. Chombo yako ya simu kupaka wazi. Tu mbona c'est devenu comme une idole. Wakati yote inakuya sasa sanamu juu yako hapana. C'est pourquoi je vous avais dit vous qui faites les efforts pour m'envoyer des messages. Les messages, je les lis parfois après si c'est une semaine. Njo kwa maana mimi nimeambia mwe benye pe ananitumia paka ma message. Ma message yenu mimi naisomaka saa zingine kisha wiki mzima. Le pasteur n'a pas répondu. Utasema saa zingine pasteur ashinijibu, ashikusome. Parce que je n'utilise pas les téléphones comme ça. Kwa sababu mimi nitumia ke chombo yangu ya simu na muna ya vile. Amen. Amina. Et quand vous appelez. Na wakati unanipikia simu. Ça appelle. Inapita. Je n'ai pas répondu. Je vais reprendre et te rappeler. Nitachukua chombo yangu nitakuita baadaye. Peut-être que je suis occupé. Sa zingine niko na kazi nyingine. Amen. 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 Amina. Oh bien aimé frères et sœurs. Eh wapenda ndugu na dada. Je suis en train de parler de l'ordre. Niko nasema njia ya utaratibu. Et des piquants. Na mamiba des piquants. Miba. Vous voyez la rose? Munaona, qui connaissent la fleur munaona, rose? Munaona liua ya rose. Elle est dans les épines.
Quand on veut prendre, ça vous pique. Et dans l'église, c'est devenu comme ça. Il y a, nous suivons la rose. La parole, le message. Mais le diable a mené des piquants. Tu vas voir la parole. Amen. Amina. Donc, le gazama rongé. Kumbi. Gazam anakula biote anachukua. Anachukua anakula mayani. Sasa yeleki. J'ai voulu expliquer pour que vous compreniez cette déclaration parce que je ne suis pas en train de donner ce que vous avez dit. Que vous ayez une idée. Maintenant, l'arbre n'a plus de fruits. L'arbre n'a plus de feuilles. Et cet insecte a changé. Il est devenu le gelec. Il s'est attaqué maintenant à l'écorce. C'est là que Frère Branham dit l'écorce, c'est la couverture de l'arbre. C'est ça qui protège la vie. C'est ça la religion. Suivez maintenant là. Suivez maintenant la déclaration du prophète. Remarquez donc bien. Ce petit gelec a commencé à percer pour s'introduire dans l'écorce. Qu'a-t-il fait? Il a commencé à lui enlever sa religion. Il enlève la religion de l'arbre. La couverture de l'arbre. Il a commencé à lui enlever sa religion. Sa couverture. Sa doctrine. Mafundisho yake. La religion dini est une doctrine. Ni mafundisho, une couverture kifiniko, qui couvre toute chose. Kenye kufunika kila kitu. C'est pourquoi njoko mana, notre religion dini yetu, est une religion du sang. Ni dini ya damu. C'est ça notre sujet. Il est déjà ajili yetu. Notre religion. Dini yetu sisi, le christianisme. U kristiani, est une religion du sang. Ni dini ya damu. Le sang, d'amour, la vie est dans le sang. Uhai ukondani ya damu qui couvre la parole. Yenye kufunika neno, la vie, uzima est dans le sang. Ikondani ya damu qui couvre la parole. Yenye kufunika neno, la vie, uhai est dans le sang. Ukondani ya damu qui couvre la parole. Yenye kufunika neno. Est-ce qu'on peut répéter cela? Eti tunaweza kurudilia hili? La vie, uhai est dans le sang. Ukondani ya damu qui couvre la parole. Répète encore une fois. Etena, la vie uhai, est dans le sang qui couvre le sang. Kufunika neno. Bonbon. C'est pompon. Toi mon bonbon. Tu dors déjà, tu es devant là, tu dors. Unaanza kulala, uko hapa kumbele, unaanza kulala. Sikiva attentivement. Napendeza kusikia kwa usikilivu. Amen. Amina. La vie est dans le sang. Uhai uko ndani ya damu. Qui couvre la parole. Yenye kufunika neno. Amen. Amina. Amen. Amina. Et la vie na uhai est dans le sang. Iko ndani ya le damu. Le sang damu et la religion. Ni dini. Et la vie qui est dans le sang. Na uhai wenye kwa ndani ya damu. C'est ce qui apporte les résultats. Jo ile kunaleta mafanikio. La vie qui était dans le sang de Jésus. Uhai ule ulikuwa ndani ya damu ya Yesu. C'est ce qui apporte les résultats. Jo ile kunaleta mafanikio leo. Je suis converti. Kama mimi nimebadilika. C'est parce que j'ai reçu cette vie là. Ni kwa sababu nilipokea ile uhai. Si je suis né de nouveau, kama nimezaliko mupya, c'est parce que j'ai reçu cette vie là. Ni kwa sababu nilipokea ile uhai. Cette vie, ule uhai, c'est la vie de Christ. Ni uhai wa Kristo. C'est le Zoé. Ni Zoé. La vie de Dieu. Uhai wa Mungu. C'est cette vie ni ou, il est uhai, qui est dans le sang yenye kwa dani ya damu, qui apporte les résultats. Yenye kuleta mafanikio. Et voyez-vous cela? Munaona ile? Amen. Mina. Amen. Amina. 131. Miamoja, et 161, pardon. Miamoja, makumi sita na moja. Il n'est pas question de se couvrir de feuilles de figuier. Apa, aina mambo ya kujifunika mayani ya mutini. Adam et Eve ont une fois essayé cela. Adamu na awa, maramu. Wakati ingine waripimaka ile
Caïn a fait la même chose. Kaina alitenda kitu moja moja. Avez-vous remarqué cela? Muriona ile? Caïn a aussi apporté la vie végétale. Kaina alileta nae mimea. Cela ne pouvait pas marcher. Alileta uzima wa mimea, lakini ile ipashi kongoka. Ile ikongoka ke na Adamu na Hawa. Et cela ne marchera pas. Na ile aista okoka hata leo. Une religion de feuilles de figuier. Dini ya mayanya mtini. Une organisation. Tengenezo. Une dénomination. Zebu. Ça ne peut pas réussir. Aiwezi kufaulu ça leo. Ça ne peut pas marcher. Aiwezi kuongoka. Si Dieu a refusé cela au début. Kama Mungu alikatalaka ile kumwanzo. Cela est refusé pour l'éternité. Ile imekatariwa njia umilele. Quand Dieu refuse quelque chose. Wakati Mungu anakatala kitu fulani. C'est pour l'éternité. Anakikatala njia quand lote. Quand Dieu accepte quelque chose. Wakati Mungu anakubali kitu fulani. C'est pour toujours. Ni njia lote. Quand Dieu témoigne. Wakati Mungu anashuhudia. Il dit que celui-ci est mon fils. Anasema huyu ni mwanangu. Tu l'es pour toujours. Tu mwanake njia lote. Tu ne peux pas te perdre. Awezi kupotea kamwe. Si vous croyez cela, dites amen. Kama unaamini nasema amina. Dieu ne veut pas dire un mensonge. Mungu hashezi kusema ongo. Moi je suis un homme. Mimi ni kumutu. Je peux te faire confiance aujourd'hui. Mimi nazikutumania leo. Après tu abuses. Kisha unarabisha. Regarde-moi frère. Na sengaria nduku yangu. Dieu n'est pas comme ça. Mungu asina vile. Dieu. Mungu te connaissait. Alikuwa shakutangulia kukujua. Kabla ya misingi ya dunia kuwa. Anakujua. Il connaît même ta fin. Anajua hata mwisho yako. Quand Dieu dit c'est mon fils. Wakati Mungu anashuhudia sasa huyu ni mwanangu. Celui-là sera comme l'enlèvement. Même au ciel. Hata ku mbingu. Parce qu'il est l'éternel, il voit le commencement, il voit la fin, il voit toute chose. Kwa sababu yeye ni wa milele, anaona mwanzo, anaona mwisho, anaona kila kitu. Quand Dieu a refusé quelque chose, il a refusé pour l'éternité. Kama Mungu anakatala kitu, anakikatala njia ya milele, lakini wakati anakubali. Si Dieu t'a dit. Kama Mungu alikwambia, tu es mon fils. Wewe ni mwanangu, tu es ma fille. Uko binti wangu. Frère. Nduku, n'en déplaise à Satan. Ataka mabimfurahisha shetani. Tout ce qu'il va faire. Aizuru kila tatenda. Moi je crois ce que Dieu a dit. Mimi naamini kile Mungu alisema. Dieu ne peut pas dire un mensonge. Mungu hashiwezi kusema bongo. Si ça change, c'est que ce n'est pas Dieu qui a dit. Kama inabadilika yani haikukua Mungu alisema kumwanzo. Ce que Dieu dit est toujours véridique. Ile kyote Mungu anasema kani kinalala paka kya kweli. Alléluia. 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 Il dit si Dieu a refusé cela au début, cela est refusé pour l'éternité. Anasema kama Mungu alikatala ile kumwanzo, kile kimekatariwa njia umilele. Décret d'eau, makanuni ya imani, élaboré par les hommes. Mawazo yenye kutungwa na watu n'accompliront jamais cela. Bile abista timiza kamwe ile. C'est la parole de Dieu qui doit le faire. Ni neno ya Mungu ndio itatenda ile. La parole agit par le sang. Neno iko natenda ni kupitia damu. Par le sacrifice de Christ. Kupitia zabihu ya Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Amen. Amina. Donc Dieu, yani Mungu, nous a donné une foi. Anatupatia njia. Nous a donné la religion. Anatupatia dini. La religion du sang. Dini ya damu. Ça a commencé au début. Ilianzaka ni kumwanzo. Dieu lui-même a immolé. Mungu mwenyewe alichinja mwana kondoo. Comme nous l'avons déjà vu. Kama jinsi tuliona. Je vais avancer au lieu de revenir. Ninapenda kusonga mbele paria kwanza kurudia kumkongo. Alors dans l'Ancien Testament. Sasa katika gano la kale. Il y avait des lois. Kurikuyaka masheria. Il y avait des statuts. Kurikuyaka ko maagizo. Il y avait des cérémonies. Kurikuya ta maibada. Des sacrifices à faire. Masadaka ya kufanya. Des offrandes à donner. Masadaka ya kupeleka. Pour être sauvé. Njia kokolewa. Pour voir ses péchés être pardonnés. Njia kona mazambi zako kusamewa. Quand un homme péchait. Wakati mtu alikuwa anatenda zambi. Il va mener nanyo. Alipasha kwenda kupeleka mwana kondoo. Il y avait quand c'est toute la nation. Kama ilikuwa ni taifa mzima. Et ainsi de suite. Na kadhalika. Amen. Amina. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Na Mungu alifanya nini? Il a pris tous ses sacrifices. Anachukua ile madhabihu yote. Il les a rassemblés. Anaikusanisha. Et les a amenés où? Anaipeleka wapi? Au calvaire. Kule ku Calvario. Il nous a donné un sacrifice unique. Anatupatia dhabihu moja na ya upekee. Suivez ces frères Branham dit. Sikilizeni kile ndugu Branham anasema. Dans les eaux de séparation. Katika mai ya tenganisho. Prêché le 21 janvier 1955. Ya tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka wa 55. Paragraphe 12 il dit. Kipindi ya 12 anasema. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. On avait des lois. Kulikuwa masheria. Des statuts. Kulikuwa kama ibada. Des choses que les gens devaient faire. Na vitu vile bantu balipasha kutenda. Des choses que les gens devaient. Vitu vile bantu balipasha kutenda. C'était une obligation. Kulikuwa lazimisho. Tu pêches.
On a tenu tu ne fais pas cela. Comment on fanya il est? Tu es coupable envers la loi de Moïse. Kulingana na Torati ya Musa. C'était une obligation. Il est rigouillé à la démission. Tu pêches. On a tenu la zambi. Tu dois offrir un sacrifice. On a pas chakuta wako sadaka. Amen. Amina. Des choses que les gens devaient faire. Bitu bile watu walipashaka kutenda. D'après les œuvres de la loi. Kulingana na matendo ya sheria. Pour être sauvé. Jia kokolewa. Dans l'Ancien Testament, l'homme faisait quelque chose. Agano la kale mutu njua ranza kutenda. Vous faites quelque chose. On attend kitu fulani. Pour être sauvé. Dieu a kokolewa. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais qu'est-ce que tu as fait? Sasa Mungu alitenda nini? Mais Dieu, lakini Mungu a rassemblé toutes les choses de l'Ancien Testament. Anakusanisha vitu vyote vya Agano la kale. Et les a mis au calvaire. Na anabitia kule ku Calvario. Afin que les croyants d'aujourd'hui, Dieu kusema waumini wa leo, n'aient qu'une seule chose à faire. Takuye tu na kitu. Regardez au calvaire. Angalia ku Calvario. Et naître de nouveau. Na kuzalikwa upya. C'est tout ce qu'on a fait. Jo kitu tunapasha kutenda. Regardez au calvaire. Kuangalia tu ku Calvario. Pour naître de nouveau. Jo kuzalikwa mara pili. Quand vous regardez au calvaire. Wakati unaangalia ku Calvario. Vous voyez comment le Seigneur a souffert. Unaona namuna le Bwana aliteswa kwa ajili yako. Vous allez vous identifier. Unaenda unajitambulisha naye. Vous allez vous identifier. Unaenda kujitambulisha. Dans sa passion, katika mateso yake, dans sa mort, katika lufulu yake, son ensevelissement, kustiriwa kwake, vous mourrez, unakufa, dans vos pensées, mawazo yako, vos habitudes, muile madesturi yako, vos faiblesses, muile mauzaifu yako, vous mourrez, unakufa kweli kweli, avec votre sacrifice, unakufa pamoja na sadaka yako, pour ressusciter avec lui, tu akufufuka pamoja naye, dans une nouveauté de vie, mumaisha mupya. Et c'est ce qu'on fait quand on prend le baptême. Dieu kitu tu kunafanya wakati tunachukua ubatizo. C'est l'engagement d'une bonne conscience en fait. Biblia nasema ile ni kuchukua hali nzuri. Vous acceptez de mourir. Mupango ya hali nzuri unaitika kufa. D'être enseveli. Njia kustiriwa. C'est symboliquement mais il faut le faire avec foi. Ile ni mufano lakini napendeza kuitimiza na imani. Tu vas dans les eaux du baptême. Unenda katika maji ya ubatizo. Tu y entres. On engage amo. On te pose des questions. Mana kuuliza. Tu t'engages. On a chukua mpango. Et puis on t'enterre. Kisha wanakustiri. Tu es immergé. Mana kutumbukiza mu maji. Tu es enseveli. Unastiriwa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Uchina la Bwana Yesu Kristo. Qui est-ce qu'on enterre? Ni nani ule ambaye kunajika? C'est un mort. Ni mutu mwenye kufa. C'est que tu meurs à l'autel. Yani unakufa huko mazabao. Tu vas unaenda pour être enterré. Dieu va kustiri. Pour être enseveli. Dieu kujikwa dans les eaux du baptême. Mu maji ya ubatizo. Et quand tu sors. Na wakati unatoka amo. C'est pour marcher dans une nouveauté de vie. Ni njia kutembea katika maisha mupya. Les choses doivent changer. Bitu binapasha kubadilika. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lakini tuko nafanya nini leo? Frère Branham dit. Nduku Branham anasema. Dans l'adoption je t'en viens partir. Katika kutiliwa kwa mwana wa mamlaka sehemu yake ya 3. 57 il dit. Kipindi 57 anasema. Nous enterrons les gens qui sont vivants. Anasema tuko na stiri watu wenye kuya wazima. C'est ça le problème. Ile njo tatizo. C'est ça qui est bizarre. Ile njo yenye kwa mubaya. C'est pourquoi nous avons tous ces problèmes dans l'église. Les gens veulent, viennent comme ils veulent. Amen. Amina. Je vais lire dans l'adoption. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendo ndugu na dada. Bien. Ça. On peut commencer dans 57. Paragraphe 57. Kipindi makumi tano na saba. Adoption cinquième partie. Kutiliwa mwana wa mamlaka sehemu yake ya tano. Ndugu Branham anasema un homme qui est mort, mutu mwenye kufa,
Un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite. Le traiter de tous les noms. Il ne réagira pas. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se tenir dans un coin pour prier pour vous. C'est exact. Mais oh, certains d'entre eux sont très vivants. C'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir les morts. Nous sommes censés ensevelir des morts. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Nous sommes censés ensevelir des morts. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Trop de méchanceté et des disputes. Et il y en a trop dans l'église. Tout a nous irons au ciel. Avec cette méchanceté. Avec cette nature. Tu ne veux pas mourir. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans un homme qui n'est pas mort. Frère Branham dit Jésus. Il est lui-même le croyant de sa propre parole. Une femme mariée. Ça, il est dit dans ce message ici, l'union invisible. Une femme mariée. Et lié à son mari. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Aussi longtemps que son mari est vivant, wakati yote mume wake atakuwa hai, cette femme est liée à son mari. Ule muke ni mwenye kuungana na mume wake. Elle ne peut pas devenir la femme de Ashiwezi kamwe kuya muke wa mtu mwingine. Tant que son mari est vivant, wakati yote bwana yake chingariki mzima, si elle devient la femme de l'homme, kama tu anakuya muke wa mtu mwingine, on va l'appeler adultère. Atamuita kama yeye ni kaka. Et les adultères n'entreront pas au ciel. Kaba na fasi yao haina mumbingu. C'est la mort ni lufu qui vous délie, jo ile kuna kufungua, qui vous libère, ina kutia uru des liens du mariage. Na ile mungano ya ndoa. Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, nous aussi, par notre nature, kupitia asili yetu, nous étions mariés à Satan. Tulikuwa wenye kuoana na Shetani. Avec cette nature charnelle, na ile asili yetu ya kimwanadamu, nous sommes venus au monde en préférant de tulikuwa mudunia mkutamka hongo. Alors, sasa, pour que Christ nous épouse, Dieu kusema Christ atuchukue kama bibi harusi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inapendeza kufanya nini? Que Satan meure. Inapendeza Shetani akufwe. Que Satan meure. Inapendeza Shetani afwe. Que ses pensées négatives meurent. Il est mawazo mubaya. Que la méchanceté meure. Ule uovu ukufwe. Que l'orgueil meure. Ata kiburi kifwe. Que l'hypocrisie meure. Unafiki ukufwe. Que le mensonge meure. Uongo bukufwe. Tous l'idolâtre. Kuabudu kwa sanamu. La débauche. Uzini. Toutes ces choses. Bile bitu biote. Doivent mourir. Binapasha kufwa. Si vous voulez que Christ vous épouse. Kama unapenda kusema Christ akuchukue kama bibi harusi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le mariage avec Christ. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ndoa na Kristo. C'est pourquoi ce message est intitulé l'union invisible. Jo kwa maana hii ujumbe imepangwa muungano usioonekana. C'est un mariage. Ni ndoa. Sont mariés à Christ. Tunaoana na Kristo. Amen, Église. Amina, kanisa. Amen. Amina. Beaucoup de gens. Il y en a trop dans l'Église. Watu waina muna. Weku wengi kabisa kanisani. Pourquoi je parle? Njia nini nasema? C'est pour que. Njia kusema. S'il y a une semence de vie en vous. Kama kunako chembe ya uhai ndani mwako. Kama kunako chembe ya uhai. Même pendant ces trois jours de réunion. Kadiri hata ya masiku tatu ya maombi. Venez mourir. Mukuye mufwe. Afin de naître. Ivi muzalikwe. C'est là que vous suivrez. Nikule ndio mtasikia. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans ce message là. Katika ile ujumbe. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Njia yenye kutayarishwa na Mungu njia leo. Il y a une voie pourvue pour naître de nouveau. Kuko njia yenye kutayarishwa njia kuzalikwa mupya.
Il y a une voie pourvue pour être exaucé. Dieu veut nous entendre crier dans la prière. Pour que nos prières soient exaucées. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors il dit, il y en a trop. Ça, ça ne sema. Donc, trop de méchanceté. De disputes. Makokotano. Il y en a trop dans l'église. Ikwamo ningi kabisa kanisani. Seulement nous ne pouvons pas faire le tri. Lakini sisi atuwezi kufanya uchakuzi. Mais Dieu lui il le fait. Lakini Mungu ye ekuna chakula bake. Dieu connaît les. Mungu anajua bake. Dieu voit tout. Mungu kunaona vyote. Dieu connaît ses enfants. Mungu anajua watoto yake. Nous n'oserons pas. Sisi atustajua. On ne sait pas. Sabi atujue. Mais Dieu connaît les siens. Lakini Mungu anafahamu wake. C'est lui qui fait les tri. Yenjo kuna chakula. Amen. Amina. Il connaît son peuple. Anajua umayake. Il connaît ses brebis. Anajua. Il connaît chaque voix. Anajua. Il connaît ses enfants. Anajua watoto wake. Il sait qui il peut appeler. Anajua ni nani ule anawezi kuita. Il sait qui il a prédestiné. Anajua ni nani ule alitangulia kutayarisha. Il sait à qui il a donné ses choses. Anajua ni nani ule alipatia hivi vitu. Ce par quoi il se fait connaître. Bale benyeo banapasha kujitambulisha na nini. Dieu peut faire confiance à ses enfants. Mungu anawezi kutumainia watoto wake. Alléluia. Alléluia. Il peut faire confiance à ses enfants. Anawezi kutumainia watoto yake. Amen. Amina. Dieu peut faire confiance à ses enfants. Mungu anawezi kutumainia watoto yake. C'est ce qu'ils doivent faire. Kulingana na kitu anapasha kutenda. Sachant qu'ils le feront exact. Mwenye kujua ya kusema kweli kweli watakitimiza. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc, il a pris tous les sacrifices. Yani alichukua ile masadaka yote. Il les a rassemblés. Anaikusanisha. Il les a amené où? Anaipeleka wapi? À Tucson. Ku Tucson. En Arizona. Ku Arizona. Où est-ce qu'il a amené les sacrifices? Alipeleka wapi? Au Calvaire. Kule ku Calvario. Pour que nous n'ayons qu'une chose à faire. Je vous sema tukuye tu na kitu kimoja cha kutenda. Regardez pour naître de nouveau. Kuangalia njoo kuzalika mara pili. Vous regardez comment il est mort. Wakati unaangalia namuna ile alikufa. Cela va vous amener aussi à mourir. Ile itakufikisha nawe ukufwe. Pour naître de nouveau. Njoo kuzalika mupya. Amen amen amen. Amina amina amina. Loidi. Sasa anasema. Idi. Anasema. C'est tout ce qu'il en est. C'est tout aussi simple. Ni mnyepesi kabisa. Les lois, toutes les cérémonies, toutes les choses ont disparu. Ma sheria, ma ibada, hivi vyote vilipotea na ile kazi ya Calvario. Quand mon ombre se rapproche de moi. Wakati kimvuri yangu kinanikaribia. Quand mon ombre et moi nous rencontrons. Wakati mimi na kimvuri yangu tunakutanishana. Mon ombre n'est plus. Kimvuri yangu kinavutwa. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Agano la kale, ni kimvuri cha agano dipia. Maintenant que nous avons la réalité, sasa leo tukuna cha kweli. Que fait l'ombre? Asa kimvuri kinafanya nini? Que fait l'ombre? Kimvuri kinafanya nini? L'ombre disparaît. Kimvuri kinapotea. L'ombre disparaît. Kimvuri kinapotea. Amen. Amina. Amen. Amina. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Agano la kale ilikuwa ni kimvuri cha agano dipia. Et il a été accompli. Na ilitimizwa. Amen. Amina. La grâce et la loi. Nema na sheria. Se sont rencontrés. Vimekutanishana. La grâce et la loi. Nema. Se sont rencontrés na sheria. Au Calvaire. Vinakutana kule ku Calvario. Et la loi a été accomplie. Na nena neno ilitimizwa. Et la grâce a vu le jour. Sheria ilitimizwa na neema imeonekana. Amina. La grâce a vu le jour. Neema ilizarika. Amen. Amina. C'est depuis le calvaire. Ni kule ku Calvario. Amen mes frères. Amina wanduku. Amen mes sœurs. Amina wadada. Nous avons aussi vu. Turiona tena. Nous sommes en train de découvrir la religion du sang. Tukunenda na kutambua dini ya damu. Maintenant. Sasa. Quand l'homme a péché au commencement. Wakati mtu alitenda dhambi kumwanzo. La communion a été rompue. Ushiriki ulivunjwa. Pour avoir encore la communion. Jia kupokea tena ushiriki mara tena. Il fallait qu'il y ait un accord. Ilipendeza kukuya kwa mapatano. Que Dieu. Ya Mungu. Par le sang. Kupitia damu. Le sang répandu. Damu yenye kumwangikiwa. Il a étendu, il a déroulé
le tapis de bienvenue pour revenir dans la communion. On doit passer par le sang. Qui me comprenne bien. C'est très profond. Il semble facile, mais c'est profond. Dans le message, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Ali, il est Mungu aritayarisha njia kushiriki. On ne vient pas à l'église communier n'importe comment. Atukuyage mukanisa kushiriki aizuru namuna kani. Nous devons communier avec Dieu. Mais tunapasha kushiriki na Mungu lakini namuna kani? C'est Dieu qui fraye de vous. Ni Mungu ndio kunapasua kwa njia. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Ali, il est Mungu aritayarisha kwa njia kushiriki. Paragraphe 14. Kipindi ya 14. C'est un message du 30 juin 1960. Je peux même lire jusqu'à 18. Suivez un peu. Dieu aime la communion. Dieu aime communier avec sa créature. Qui aime la communion? Ni anapenda ushiriki? Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez aimer la communion. Dieu aime communier avec sa créature. On nous dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme marchait dans l'intégrité, selon Dieu, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Mungu aranza kushuka kumangaribi et communier avec ses enfants. Dieu descendait pour avoir communion quand? Mungu alikuwa anashuka ndio kupata kushiriki wakati gani? Dans la fraîcheur du soir. Kumangaribi. C'est pourquoi frère Branham dit. Ndio kwa maana ndugu Branham anasema, il faut aimer la communion. Inapendeza kupenda ushiriki. N'oubliez jamais la prière en famille. Mushisabwe kamwe maombi katika jamaa. Vous avez des problèmes. Muko na matatizo. Vous avez des besoins. Muko na mahitaji. Priez chez vous. Ombeni kwenu mangaribi. Vous connaissez ce cantique là? Munajua ile mwimbo? C'est 20, non? Est-ce que vous pouvez chanter ça? Ni makumi mbili. Munaweza kuimba? Où sont-ils? Peko wapi? Je lis. Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit? Minta musoma. Nduku Branham anasema nini? Je lis les paroles. Niko nasoma tu ile misemo. Je risque de chanter parce que je n'ai pas le don de chanter. Minaweza kuimba hapa. Vous allez dormir. Vous allez Sina na zawadi ya kuimba. Munaweza kulala na kushingishi. Qui veut que je chante? Ni nani anapenda niimbe? Qui ne veut pas que je chante? Ni nani asipende niimbe? Et vous voulez que je chante? Munapenda niimbe? N'oubliez pas les textes d'abord, c'est n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Yesu anapenda kutanishana na mwe mule. Il s'occupera de vos soucis. Atamishururikia mahitaji munayo. Oh, n'oubliez pas la prière. Mushisabu ile maombi katika jamaa. Alors qui va m'accompagner? Ni nani atanishindikiza mkuimbo? Parce que moi-même ce sera terrible. Chebote, kama mimi naimba mimi mwenyewe bista kwa mzuri. Aliki Antoine? Pimbeni. Ni nani natuma? Allons-y. N'oubliez la. Hein? Attendez. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il s'occupera de tous vos soucis. Quelque chose comme ça. Ah, bientôt comme ma ville. Ah. Kumbi, n'oubliez pas les prières en famille. Maombi katika jamaa. De toutes les façons, ce cantique est difficile. Hein? Muna muna yote, imwimbo ni nguvu. Si c'est facile, qui peut chanter? Kama tu ikumwepesi, nani ataimba? Nani ataimba? Qui veut chanter? Nani anawezi kuimba? Voilà, donnez-lui le micro. Mumupatie kibuyu. Allez, debout. Très bien, Shemama, on va clamer pour toi. Sawa, rapidement le micro, diacre. Shemasi. Vous voyez tout cela, vous voyez, il faut m'encourager, j'ai quand même fait l'effort. Allez-y. Que Dieu bénisse. Amen. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Allez, ça va, Kabisa. Il va s'occuper de vous. N'oubliez pas la prière.
prière en famille. Acclamons fortement. Est-ce parmi les animateurs, il y a quelqu'un qui peut chanter? Vous serez comme moi. Nos diacres savent quand même chanter peut-être. On peut vous donner le micro? N'oubliez pas la prière. Relevez les défis des diacres. Allez-y. Parce que je voyais beaucoup qui dormaient. Il y a des choses importantes que je vais donner. Allez-y. N'oublie pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer. Très bien, ça va. Mais il y a où sont vous? Pekoapi. Depuis que j'ai commencé à attendre. Tanguinde za kongojea. Sur toilette. Beko kumacho. Bien, ça va. Alors revenons maintenant, revenons. Turudieni sasa, turudieni. Donc vous comprenez? On a élevé. Alors Dieu, tu faisais les communiqués. Alors chante nous, n'oublie pas la prière en famille. Tu peux nous entonner, on chante un peu tous ensemble. Vous m'avez laissé souffrir ici seul. C'est 20. Chez moi, on chante avec ma famille, mais quand je chante seul, c'est terrible. N'oublie pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Il s'occupera. Vous voyez que c'est difficile, hein? On a commencé par un groupe. Ok, ok. Ça va. Très bien. Ça va, Kabisa. Donc, il descendait chaque soir. Arikui na shuka kila mangaribi. Pour avoir communion. Tu as coupé ta conscience. Prier, c'est quoi? Gomba ni kufanya nini? C'est parler à Dieu. Ni kumunene ya Mungu. C'est communier. Ni kusungumuza na Mungu. Communier, c'est quoi? Kushiriki ni nini? Parler, celui-ci parle. Ni kuongea huyo anasemeza yale huyo. Et Dieu aime la. Na Mungu anapenda ushiriki. Quand vous avez des problèmes. Wakati mko na matatizo. Prier en famille. Ombeni katika jamaa. Et je pose la question ici. Nduku bwana mama anauliza hapa. Combien d'entre vous prient en famille? Ni wangapi miongoni mwenu wanaombaka katika jamaa? Leve la main. Il prie. Mwinue mikono. Faut prier en famille. Inapendeza kuomba katika jamaa. Vous priez, la présence de Dieu descend. Unaomba uwepo wa Mungu unashuka. Dieu descend. Mungu anashuka. Il vous rencontre là. Anakutanishana na mwee pale. Parce qu'il a dit ça à plusieurs endroits. Kwa sababu alisema hii mafashi mingi. Dans Israël et la mer, il dit Jésus va s'occuper de vos soucis. Katika maubiri Israël kubari mwekundu anasema Yesu atashurukia mahitaji mnayo. Dans question et réponse sur les Hébreux, il dit, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là, il prendra soin de vous. Katika maubiri, maulizo na majibu kusu wa Ebrania, anasema, Yesu atamikuta kule na atamishururikia nini. N'oubliez pas la prière en famille. Mushisaulike maoni katika jamaa. Jésus veut vous rencontrer là. Yesu anapenda kutanishana na mwe kule. Il se chargera de tous vos soucis. Atachukua mizigo yenu yote. Amen. Amina. Et puis dans l'âge de l'église de Smyrne, il dit, chaque fois avant de terminer la prière, frère Branham, souvent il chantait ça. Wakati mingi kabla ya kumaliza na maombi ndugu Branham aranza kuimba ile mwimbo. Dans l'église de Smyrne, il dit, n'oubliez pas la prière en famille. Smyrne anasema mchisabu maombi katika jamaa. Jésus veut vous rencontrer là. Yesu anapenda kutanishana na mwe mule. Il s'occupera de tous vos problèmes. Atashurukia mambo yenu yote. Amen. Amina. Dans
Le message, quelle est l'attraction sur la montagne? Katika ujumbe ni ukokoto kalijia mulima. N'oubliez pas la prière en famille. Anaimba musisaulike maombi katika jamaa. Jésus veut vous rencontrer là. Yesu anapenda kutanishana na wewe mule. Il prendra chacun de vos soucis. Atachukua kila mmoja ya mahitaji yenu. C'est ainsi qu'il descendait chaque soir. Jo vile aranza kushuka kila jioni. N'oubliez pas. Mushisabu. Si vous n'avez pas cette révélation, kama vous pensez que c'est ufunuo, un dérangement. Mureanza kuwazia sasa nyine ni, sasa zingine ni kumizuru. Réunissez votre famille. Mukusanishe jamaa yenu. Mke wako, watoto yako, priez ensemble. Ombeni pamoja. Jésus veut vous rencontrer. Yesu anapenda kutanishana na wewe. Il va s'occuper de vos soucis. Atashururikia mahitaji yenu. Il va se charger de vos soucis. Atachukua mahitaji yenu. Il va s'occuper de vos problèmes. Atashururikia matatizo yenu yote. En famille. Katika jamaa. En famille. Katika jamaa. Qui promettent qu'ils vont désormais commencer à prier. Ni nani anadia kusema kwa njia bataanza kuomba katika jamaa. Vraiment tu lèves la main. Ndugu, lève la main. Au inue mkono. Labio, lève la main. Ndugu labio, inua mkono. C'est que Emma vous ne priez pas la famille. Ndugu Emma, amuombeke katika jamaa. Vous priez en famille? Dada Emma, munaombaka katika jamaa. Faut prier ensemble. Inapendeza kuomba pamoja. Ce sont les bénédictions. Ni mabaraka. Et Dieu vous protège. Na Mungu eko na kinga jamaa. Vous dormez sous la protection divine. Munalala chini ya ukingo wa Kimungu. Amen. Amina. Amen. Amina. C'était une parenthèse, nous continuons. Ile ilikuwa ni kumbatio tunaendelea. Alors il dit. Sasa anasema Dieu descendait. Mungu alikuwa anashuka. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Sasa kulitendeka nini? Adam et Eve ont péché. Wakati Adam na Hawa walitenda dhambi. Une voix s'est fait entendre dans la présence de Dieu. Disons, tes enfants bien-aimés sont tombés là. Ils ont péché, ont fait ce qui est mal. Vous savez, Dieu n'a pas choisi un ange pour descendre et s'enquérir de la situation. Vérifiez cela si c'est vrai ou pas. Il n'a pas choisi un chérubin. Un chérubin des cieux. Wala mkerubi wa kumbingu. Un certain chérubin des cieux. Wala mkerubi fulani wa kumbingu. Mais Dieu, lakini Mungu, est venu lui-même. Amekuja peke yake. Criant, kulalamika. Adam, Adamu. Adam, Adamu. Où es-tu? Uko wapi? Alors qu'Adam avait péché. Japo Adamu alitenda zambi. Le Dieu immuable. Mungu asiyebadilika. Fait la même chose aujourd'hui. Eku natenda kitu moja moja hata leo. Il va à la recherche des pécheurs. Eku nenda kutafuta watenda zambi. Pour les ramener. Dieu kuwarudisha. Si l'esprit de Christ est en vous. Kama roho ya Kristo iko ndani yako. Votre frère fait quelque chose de faux. Ndugu yako anatenda kitu kibaya. Vous n'allez pas l'enfoncer. Hapana kumuzamisha muile. Vous voulez le récupérer. Unapenda umuchukue, umondoshe emo, kumurudisha munjia. C'est la nature de Dieu. Ile ndio asili ya Mungu. Il est allé chercher Adam. Alienda kumtafuta Adamu. Adam! Adam fouillé. Adam alikuwa anatoloka. Il est laissé caché. Alianza kwenda kafichama. Adam! Lakini Mungu alikuwa anaenda. Adam! Adam! Où es-tu Adam? Uko wapi Adam? Où es-tu? Uko wapi? Dieu lui-même. Mungu mwenyewe est venu chercher son enfant perdu. Amekuja kutafuta mtoto yake aliyepotea. Dieu ne vient pas chercher les justes. Mungu siku yake kutafuta watu wa haki. D'ailleurs personne n'est juste devant Dieu. Na hakuna hata mwaki mmoja mbele ya Mungu. Nous nous tournons sur la justice de Dieu. Chebote tunajemea. Nous sommes justifiés par la foi. Toko nesabia wake ni kupitia imani. Dans l'œuvre du calvaire. Kupitia kazi ya kalvario. Quand Dieu nous regarde au travers du sang. Ni wakati Mungu ananitazama kupitia damu. Qui nous voit sans péché. Dieu kunatoona bila zambi. Le rouge au travers du rouge devient blanc. Kekundu kupitia kekundu kinakuwa keupe. Quand il l'a trouvé caché dans un buisson. Na wakati alimkuta mwenyewe kujificha katika kidichi. Derrière des feuilles de figuier cousues. Nyuma ya mayani ya mtini yenye kushona. Il a dit. Akasema. Qui t'a dit que tu étais nu? Ni nani alikwambia sema ukuti? Il ne pouvait pas se présenter et avoir communion avec Dieu. Ashikuwezi kujitambulisha pale na kupata ushiriki na Mungu. Quand on vit dans le péché, on ne peut pas communier. Wakati mtu akunaishi muzambi, ashiwezi kushiriki. C'est pourquoi quand nous viendrons prier, il faut se repentir. La prière commence chez nous à la maison. Choko mana, wakati tutakuya kuomba, inapendeza kuomba. Maombi nanziaka ni mumanyumba, tunaomba kabisa. Vous venez sur un terrain saint, chacun s'est repenti, chacun s'est humilié, chacun a confessé ses fautes, chacun a jeûné. Tunakuya kwa kiwanja takatifu kila mmoja anatubu mazambi zake, kila mmoja anatubu makosa yake, kila mtu anaomba. Njoo namuone ile tunapasha kuya kuomba, mkufunga chakula. Amen, Eglise. Amina kanisa. J'ai toujours mon thème.
conduite. Dieu conduit l'église. Mungu ekunongoza kanisa. L'église locale. Kanisa panafasi. Par le pasteur. Kupitia pastori. Dieu conduit cet âge. Mungu ekunongoza iki kizazi. Par le prophète de l'âge. Nabii wa kizazi. C'est comme ça. Njo vile. Dans chaque foyer. Mukina kama. Il y a un chef. Muna bwana mkubwa. C'est l'homme qui est chef. Ni bwana njo bwana mkubwa. Il est souverain chez lui. Yeye ekuuru kwake nyumbani. Olis. Apa lis maskani. Il y a un chef. Peku bwana mkubwa moja. Il y a une tête. Peku kichwa. C'est le pasteur. Ni pastori. Au-dessus du pasteur. Juu ya pastori. Il y a le Saint-Esprit. Peku tu ni Roho Mtakatifu. Conduite. Ongozi. L'ordre. Utaratibu. Nous venons à l'église. Tukunakuya kanisani. Ce n'est pas un endroit où il faut bavarder. Aina faji ile inapendeza kuya kukusanika tu. Comme je vais le lire. Bavarder. Aina faji ya kuya kusungumuza. Ce n'est pas un endroit de rendez-vous. Aina faji ya kupatana. C'est dada. Je vais amener les pagnes à l'église. Bikwembe kanisani. Ça vous confondez. Ii muko na furuka bintu. Allez à vos maisons. Kwende kwenu manyumba. Umufuate dada yako kwake nyumbani. Ici, apa nous venons pour rencontrer Dieu. Tuko na kuya njoo kutanishana tu na Mungu. Et je peux entendre les amen là. Et je peux entendre un grand amen. Encore une fois amen. Amina. Même les livres, ce n'est pas un marché. Atavitabu apa ina musoko. Jésus un jour est venu. Yesu siku moja alikuja. Il a vu les gens qui vendaient. Anakuta watu waanza kununulisha vitu. Il les a laissés tranquilles. Aliwaacha tu starehe. Il a pris les fouets. Akachukua fimbo. Il les a fouettés. Akawashatula na kuwafukiza. Il dit que ma maison est une maison. Na anasema nyumba yangu ni nyumba ya prière. Ya maombi. Et vous en avez fait une caverne de. Na mwe mnafanya kifanyio cha wizi. C'est ça l'ordre. Il est au taratibu. La discipline. Ma dibisho. Tu vois ton frère quelque chose. Unaona ndugu yako anatenda kitu kibaya. Va avec amour. Wende na mapendo. Il a fait mal. Alitenda kibaya. Il a péché. Alitenda dhambi. Vas-y avec amour. Wende na mapendo. Pour le ramener. Tu as kumrudisha munjia. Si il revient. Kama narudia. Tu as gagné ton frère. Pale unapata ndugu yako. Si il résiste. Kama nakukazia. Prends un autre témoin. Wende kuwete na mshuhuda mwingine. Vale voir. Njua kwenda kamona. Il résiste. Kama na mikazia. Amen la l'église. Umufikishe sasa kanisani. Il résiste à l'église. Kama na kazia kanisa. Nous le livrons à Satan. Tuna mutoa mumikono ya shetani. C'est ça la discipline. Ile njo madibisho. La bonne attitude. Ali nzuri. Ne soyons pas des piquants. Tushikuye kama miba. L'église. Kanisa. C'est ici on doit communier. Ni fight. Panapo tunapasha kwanza kushiriki. Notre père aime la communion. Baba yetu anapendaka ushiriki. Quand la communion fut brisée. Wakati ushiriki ulivunjwa. Il est descendu. Alishuka. À la recherche de son enfant perdu. Mukutafuta mtoto yake aliyepotea. Il l'a ramené. Alimrudisha. Pour avoir la communion. Jia kupata tena ushiriki. Amen. Amina. Et j'ai dit pendant la semaine. Na nilisema kadiri ya wiki. La communion commence à la maison. Ushiriki inaanziaka ni kunyumba. Comment est-ce que vous allez communier avec les gens sur la route? Namuna kani utashiriki na watu munjia. Tu ne communies pas avec ta femme. Au ushiriki pamoja na mke wako. Il ne se parle pas. Awasemezane. Pendant une semaine. Sa zingine wiki mzima. Atusemeshane. Ah, on ne parle pas. Atusemeshane. Eh. Et puis il sort là-bas. Ah, sœur! Kisha, on a tout à parlé. Eh, dada! Jambouenu, dada! Hypocrite! Munafiki! C'est ça la religion des feuilles, hein? Il est njo tini, ya mayani, ya mtini. Suivez les prophètes. Sikilizeni nabi. Toujours dans notre. Dans le serment, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Baka mwile maubiri, ali, ile mungu, tayarisha njua ushiriki. Kipindi ya 15, nduku pranama nasema. Sawa. Il existe une vraie communion. Kuko ushiriki wa kweli. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Et l'amour. Na mapendo. Exige une communion. Inalazimisha ushiriki. Il donne l'exemple. Comme un jeune couple. Iku savile, wili. Comme un jeune couple. Willy Kijana. Lorsqu'un jeune garçon. Wakati Kijana mwanaume. Rencontre une jeune fille. Anakutana na
Nadada et qui lui dit trois points. Nabinti anamwambia et il pense qu'elle est très jolie. Anazani kama yeye kumrembo kabisa. Elle aime beaucoup. Na anamupenda zaidi. Il désire avoir communion. Anapenda kupata kwa ushiriki. Une vraie communion. Ushiriki wa kweli. Mais lakini je souligne. Bina katia pale. Je souligne. Mina tia kisitari pa ile. Sur le mais pa ile lakini. Tu as vu une fille. Unaona dada. Elle est jolie. Eko mrembo. Oh. Hey. Elle te regarde. Anakutazama. Ton cœur bat. Moyo wako unagonga. Tu n'es plus tranquille. Weye aona tena stare. Tu veux lui parler. Unapenda kuongea naye. Tu vas avoir communion. Unapenda upate kushiriki naye. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Ni kitu kizuri haina mubaya. Mais lakini avant qu'il y ait cette communion. Kabla ya kusema ile ushiriki utendeke. Il doit y avoir un accord. Kuna paisha kuya kwa mapatano. Un accord. Mapatano. Mais cet accord a plusieurs aspects. Lakini ile mapatano iko na maali ya kuachana. Premièrement. Ya kwanza. D'après le message de prophète Branham. Kulingana na ujumbe ya nabii Branham. Tu ne peux pas commencer à communier seulement avec une fille d'autrui. Awezi, sans que ses parents le sachent. Awezi kwanza kushiriki na binti wa benyewe bila bazazi kujua ile. Un vrai chrétien, comme nous vous enseignons. Mu Kristo wa kweli vile tuko na mifundisha vile tunafundishaka waliana wetu. Cherche à demander la permission. Tafuta mbele ulombe rusa. Même si tu avais causé avec elle. Hata kama ulisumbuza na dada. Jambo dada. Je vais devenir ton ami. Mimi napenda nikuja kwa rafiki yako. C'est bien. Ni mzuri. Allez voir d'abord mes parents. Wendo kaone mbele bazazi yangu. C'est ce que Rebecca de frère Branham avait fait. Jo kile Rebecca wa nduku Branham alifanyaka. Nous avions causé avec frère George. Tulisumbuza na nduku George. Vous rappelez nous avions voyagé avec lui. Munakumbuka ya kusa tulisafiri pamoja naye. Jacques Matipo wedi. Shemasi Matipo kwa wapi? Ah. Oui. Nous avions voyagé avec le Diak Matipo Boire, avec George. Dans l'avion. Vous vous rappelez quand on allait à la dédicace? Mugari ya mabao. Wakati tulienda kule ku dédicace, nakumbuka. En allant ou bien en revenant, je crois. Ni mukwenda mkurudie mimi. Nous étions avec George. Tulikuwa pamoja na George. Quand on lui posait des questions sur le mariage tout ça. Wakati tulianza kumuuliza njia ndoa yao. Nous étions avec vous, non? George ula rioa binti wa nabii. Tulikuwa na wewe mule mugari ya mabao. George là. George Oule. Et quand il est allé, il a rencontré la fille. Alikutanishana na binti. C'était au collège. Ilikuwa ni kushule. Il a trouvé. Lui n'aimait pas ses parents, c'était des baptistes. Ye ashikupenda. Toute sa famille était missionnaire. Wazazi yake wote walikuyaka wapasha injili. Alors un jour, sasa siku moja, ses amis lui disaient, mais toi tu n'as pas de fille. Toi, barafiki baranza kumwambia, wewe hauna na kuna mwanamke mwanamke moye. Il y a aussi une fille qui est vraiment correcte. Koko binti moya ekuwa sawa kabisa. Elle te va bien. Yeye mtapatana naye mzuri. Rebecca. Rebecca. Et il a adressé la parole à Rebecca. Il a demandé. Jo, akaambia Rebecca akaomba. Son ami. Kama anawezi kuya kwa rafiki yake. Il avait pas le problème de mariage. Pana kukuyake mambo mbele ya ndoa. Comme c'est une fille éduquée. Sa vile alikuya mke ule alifundishiwa mzuri. Éduquée. Mwenye kufundishiwa mzuri kabisa. Hana te pala. Bazazi yake abakukuye. Ilikuwa ni kushule. Il dit à George. Akamwambia George. C'est bien, mais il faut venir chez nous. Ni mzuri, lakini napenza kuya kwetu. Demander la permission à mon père. Kulomba rusa kwa baba yangu. Pour que nous soyons des amis. Njia kusema tukuye barafiki. Il a donné l'adresse. Akapeleka nwani. L'homme est allé. Na ule mume akaenda. Il a trouvé frère Branham en train de tondre. Anakuta nduku Branham anaanza kukata mayani. Il est venu. Anakuja. Il lui a parlé. Anamwambia. Le man l'a regardé. Nduku Branham anamwangalia. Ça va, c'est pour l'amitié, c'est bien. Sawa, kama ni njoo rafiki, hakuna problem, hakuna mambo. Akakubali. À partir de ce jour-là. Kuanzia ile siku. George a commencé à causer avec Rebecca. George ananza kuongea na Rebecca. L'accord des parents. Rusa ya bazazi. Quand les parents ont accepté. Wakati wazazi walitika. La personne aussi doit accorder. Ule mtu anapasha na yeye kuruhusia. Cet accord-là, c'est une approbation. Ile rusa ile ni kukubaliwa. L'approbation d'une demande. Kukubaliwa kwa ombi. Consulter accord a beaucoup de choses. Il y a accord musical, accord. Mais l'accord, c'est une approbation d'une demande. Lakini muangalie kuku mapatano ya mahali ya kuachana. Lakini munga hii rusa tuko nasema ni njia kama ulilomba kitu fulani. Un consentement. Il est ni nia furi. Tu ne vas pas fréquenter une fille si les parents ne veulent pas. Awezi kutembelea binti kama bazazi yake abapende. Comment tu vas l'épouser? Namuna kani utaoana naye? Il faut qu'il y ait un accord. Inapendeza kukuyeko rusa. Un consentement. Mapatano. Je suis en train d'instruire. Niku natia kistari kabisa.
Je suis dans notre thème. Niko mutema yetu. Je parle de la conduite. Niko nasema njia ongozi. L'ordre. Utaratibu. La discipline. Madibisho. La bonne attitude. Ali nzuri. Selon Frère Branham. Njia kwa butu kulingana na Nabii Branham. Et notre religion, na dini yetu, c'est la religion du sang. Ni dini ya damu. Le sang de Jésus-Christ. Damu ya Yesu Kristo. Amen. Amina. La religion de la délivrance. Dini ya okovu. Un accord. Na mapatano. Et puis quand ils ont continué, ils ont trouvé, wakati waendelea, anaona kusema Rebecca, ni binti mzuri kabisa. Finalement il dit, mwishayo akasema, est-ce que tu ne peux pas accepter qu'on puisse se fréquenter maintenant pour les fiançailles? Hawezi kuruhusiwa kwa sema tuanze kutembeleana sasa njoo ya kuchumbiana njoo ya ndoa. No. Hapana. Cette fille était éduquée. Ule binti alifundishiwa ya kweli. Il était bien éduqué. Alikuwa mwenye kufundishwa vizuri kabisa. Qu'est-ce que lui dit? Alimwambia nini? Ce n'est pas ça que tu avais demandé à papa. Aina ile njoo ulomba kwa baba. Si tu veux pour le mariage maintenant. Kama unapenda sasa njoo ya ndoa. Pour le mariage. Kama unapenda tuanze tembeleana sasa njoo ya ndoa. Reviens encore. Rudia tena. Et l'homme comme il aimait. Na ule mkiana sasa vile alipenda. Il est rentré. Akarudia. Il a demandé à Frère Branham. Anamuomba. Qui connaît la réponse de Frère Branham? Ni nani anajua jibu ya ndugu Branham? Il y en a qui ne connaissent pas ces choses. Beaucoup bengina bajua hivi. J'en parle souvent. Mina bisemeze aka pa kila mara. Qu'est-ce que Frère Branham avait dit? Ndugu Branham alisema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Oui, il dit pour ça. Dieu a ile? Non. Apana. Je refuse. Mina katala. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Kwa sababu hauyazaliwa mara pili bado. Faut aller chercher le Saint-Esprit. Inapendeza wewe ndio utapata Roho Mtakatifu. Tu n'es pas qualifié pour entrer en mariage. Wewe haustahili kuingia mundoa. Il avait refusé. Et il lui a montré, il faut chercher. Il a dit, je devais aller en vacances quelque part, je ne sais pas moi. Très loin là. Akamonesha namuna kutafuta, anasema ilinipendeza niende katika mapumziko mbali kule. Là-bas, il y a des frères tout ça qui peuvent t'aider à rester. Ndugu Branham anasema kule kuku banduku pale wanaweza kukusaidia njoo upokee Roho Mtakatifu. Il est parti. Akaenda. Et là, na kule il est allé dans, il cherchait maintenant le Saint-Esprit. Aranza kutafuta sasa Roho Mtakatifu. Chercher le Saint-Esprit. Na tafuta Roho Mtakatifu. Les jours de la réunion. Siku ya ibada. Quand on a organisé la réunion pour le Saint-Esprit. Wakati kurukuyaka mkusaniko njuu ya Roho Mtakatifu. Il a fait une expérience. Akapokea maisha binafsi. Il a dit qu'il a vu comme si le ciel tombait. Anasema aliona saa mbingu iko namshukia. Pendant qu'il faisait cette expérience. Na wakati ile aranza kuonja ile maisha binafsi. On appelle au téléphone. Anapika simu. Qui appelle le téléphone? Ni nani anaita kusimu? Frère Branham. Nduku Branham. On va répondre. George. C'est toi Frère Branham t'appelle. Ni wewe Nduku Branham anakuita. Il dit il était environ environ 2000 km. Anasema alikuwa karibu na 2000 km. Très loin. Mbali kabisa. Il vient? Anakuya pale? Oui Frère Branham. Allons Nduku Branham. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki sana. Tu viens de recevoir le Saint-Esprit. Unatoka mkupokea Roho Mtakatifu sasa. N'est-ce pas, tu as fait une expérience. Si on a toqué mon coin dans ma chambre, c'est le Saint-Esprit. Ni Rome t'a gâté, faut l'en empoquer. Maintenant, j'accepte. Ça, ça m'a dit chica. Tu peux la fréquenter. On est du coin de Kutembela, Binti Wangu Yandoa. Vous, ça, ça m'a quelqu'un n'est même pas né de nouveau. Moutou, à Chiazari, quand tu as malapiri. Tu regardes comment il serre les pantalons. On a engagé tout le monde dans la pandishaka mouchipi. Il coupe la barbe, zéro photo. Anakata tu mandevu kativiringo. Il vient la sœur. Anakuya dada. C'est comme si quelque chose le pique. Biku sabi tu fulani biku na muto atwanga. La sœur aussi a mis la pendada dans le fanyaka. J'aime comme il l'a toujours fait. Vous vous mariez comme ça. Munaowana anaanza kutwangisha magoti. Maintenant il te fait agenouiller dans la maison. Tu as fait quoi? Unafanya nini? Tu vas dormir dehors. Utalala nje leo. Pourquoi il n'est pas né de nouveau? Tu as nini? Ashiazari kwa malapiri. Quand vous épousez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Wakati unaoana na mtu la shiazari kwa malapiri. L'enfer commence sur la terre. Agena inaanza ni pa dunia. C'est l'enfer. Ni gena ya bya kweli. Frère Branham dans paradoxe 1963. Nduku Branham katika mshangao ya mwaka 63. Deux jeunes gens se fréquentaient. Ba viana kwawili wa viana waanza kutembeleana. Le jeune homme a fait quelque chose de faux à la sœur. Ule kijana alitendaka kitu kibaya mbele ya ule binti. Maintenant on a appelé Frère Branham, ses parents. Notre garçon ne comprend pas, il fréquentait cette fille, mais maintenant c'est comme il ne fait plus tout ça. Njo bakamuita Nduku Branham kwa bazazi yake abale batoto.
Wasema mtoto yetu anaanza kutembelea ule binti alitenda ashishikie tena shipende kumoa. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema votre fils kijana wenu n'est pas né de nouveau. Ashiazari kwa malapiri. Il a les germes. Atingariki na jembe ya jamaa yenu. Vous avez une famille de gens nerveux. Muko na jamaa ya watu wenye kwa na bichwa biongoke. Ce qui m'intéresse là, il dit. Ce qui m'intéresse dans cette histoire. Kile kinanyuswa arisema. Votre fille n'est pas, votre garçon n'est pas qualifié. Ule kijana wenu. Entrer en mariage. Ashistahili kuingia mundoa. Jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Paka na pale atazari kwa malapiri. Il ne peut pas se marier. Ashezi kuoana. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham ule anasema. Dans paradoxe. Katika mshangao mahubiri 63. Ya makumi sita na tatu mwaka. 16, vous commencez à 16, 18, tout ça. Kipindi ya kumi na sita kutelemuka kule chini. Si vous voulez que je lise ça, je peux lire. Kama munapenda nisome, mita soma mwenjo mutachoka. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est ça notre religion de sang. Ile njo dini yetu ya damu. Avec beaucoup de méchanceté. Na avec ningi. Beaucoup de disputes. Na makukokotana ningi. La fille n'est pas née de nouveau. L'homme n'est pas née de nouveau. Asiazari kwa malapiri kiana. Vous allez former quel foyer. Mutatunga jamaa aina kani. Vous faites semblant de vous aimer aujourd'hui. Muku nasula sa kupendana leo. C'est bien. Ni muzuri. Après. Kisha. Là dans mon bureau, j'ai reçu mule mu office yangu mimi napokeaka bintu mingi kabisa. Des jeunes qui n'ont même pas fait longtemps dans le mariage. Biyana abayakawia ta mundoa. Oh pasteur, il vient, on ne cause plus. Anaanza kuya kunyumba tusungumuze. Il est déjà au téléphone. Eko paka kuchombo yake ya simu. Il ne fait pas que je touche son téléphone. Ashipenda ta mara moja guse chombo yake ya simu. Vous êtes suspect. Pale il faut tukangarishie muzuri. Qui a toujours laissé son téléphone libre, sa femme peut accéder Ninani à son téléphone. Dieu vous voit. Dada wakati aliingilia pale bati mume wake alitoka anabeba anangaria. Elle voit une fille. Anakuta mo muke. L'homme lui prenait des photos. Mwana kijana kule bwana anaanza kumchukua mapicha na sengle. Elle a amené le frère ici. J'étais deux. Anamuleta nduku hapa. Bali kwa bawili. Frère dit. Nduku anasema non, c'est une copine. Nduku sema ni rafiki mwanamke. Toi marié, weye mundoa, père d'un enfant, baba wa mtoto moye, tu as des copines, huko na barafiki bana muke. Non pasteur, parce que ce qu'elle fait. Hapana pasteur, bila kuna nifanshia. Afredi pasteur. Mkusema tu kuzuri pasteur. Vous êtes mon pasteur, je dois vous dire la vérité. Sa vile wa njo pasteur wangu minikwambia tu bya kweli. Je ne l'aime plus. Mishi mupende tena. À la présence de la fille. Muwepo wa binti. Moi j'ai dit c'est à moi que tu dis ça. Mina se ni minjo kunambia vile. Et je vous ai suivi dans le, dans l'Afrique. Na minjo mimi miongoza wakati mranza tembelea. Je fais semblant. Mranza kusula. Tu dois revenir, on doit te jeter dans les mains du Satan. Muko nanda utakuya kumbela kanisa tutakutupa mumikono ya shetani. Oui, je l'aime pas parce que pasteur. Ndio. Je lui ai donné l'argent. Si mupende tena pasteur, kwa sababu ni mupatia makuti. Frère, pardonnez-moi, c'est votre histoire. Je vous ai déjà réconcilié. Ndoku unisame. Je parle pour que les autres. Ni mambo yenu. Misha kumipatanisha. Niko nasema ndio. Disha bengine uko hapa. Vous êtes ici. Uko hapa. La sœur et le frère. Uko hapa mkanisa humu. Pardonnez-moi, n'y a personne qui connaît. Hakuna mtu hata mmoja anajua. Niko nafundisha njo. C'est Dieu qui connaît. Ni Mungu njo anajua. Et nous trois. Na si chez batatu. Mwe bawiri na mi. Oh, j'avais aussi associé le diacre. Na mimi mwitaka na shemasi ku ile mambo. Pour les accompagner. Njo akuwashindikiza. Les casser avec cette autre fille. Kwenda kakata ile mahusiano na ule binti mwingine. Parce qu'il disait qu'il allait ranger, non, vous allez avec un tia qui vous a. Kwa sababu alisemaka mimi nitaenda katengeneza, mimi nasema pana mwende na shemasi akakupeleke. Quel est le diacre François? Ni shemasi François. Tu te rappelles? Unakumbuka? Très bien. Sawa kabisa. Qu'est-ce que le frère dit? Nduku eko nasema nini? Beaucoup de mésentente. Pas d'accord. Hakuna mapatano hata kidogo. Pasteur. Pastor, je lui ai acheté les habits là dans la boutique. Miri mujiako. Je lui ai amené. Ma vase kule kutuka na muletea. Elle veut pas ça. Ashipende ile mavazi. Bon,
Tu veux acheter ton seul. Unapenda unataka ununue wewe mwenyewe. C'est que l'acheter pasteur. Sasa bila nienda kauza pastori wangu. J'ai honte de me promener avec. Mimi nasikia na haya ya kutembea naye. Je le dis toi tu pars moi je vais. Mimi nasema wende njia yako na mimi nadiendea yangu. C'est un jeune, il dit mais moi j'aime pas femme. Ni kijana anasema ninapenda mke wangu afale kwa mzuri. Mais non cette fille là. Sasa ule binti mwingine ole. Elle porte comme j'aime. Et kuna vile mimi napendaka. Heureusement, nous n'avons pas une écriture qui dit qu'il faut fouetter les gens. Kwaheri, hakuna andiko la kumsa fouetter les gens. Pika kwa babiana mfimbo. Kama tu bali nipatia ruhusa kupika bantu fimbo hapa. Il n'y a pas d'écriture. Hakuna andiko hata moja. Nous allions être, j'appelle les diacres, venez. Muripasha kushikia sana na hivyo bashamasi mkuye. 40 fois moins 1. Fimbo makumi ine kutosha kwa moja. C'est ça que c'est, le Seigneur, c'est ça qu'on lui a donné. 39. Sinon, la loi, il fallait pas dépasser. 39. Nous n'avons pas une écriture. Il y a des gens mal éduqués. Il y a des gens irrégénérés. Dieu merci, c'était un esprit. C'était un esprit sur le frère. Et finalement, on nous a pris beaucoup de temps. Parfois, quand vous me voyez, vous traînez, je traîne avec un. Ce sont des gens irrégénérés. Les autres qui doivent entrer attendent, ils sont faits. Comment je vais laisser les gens, quelqu'un qui dit je ne l'aime plus? Fallait les ramener, les ramener, les ramener. Mais maintenant ils sont réconciliés. Ça, papa, basha kupatana. Mais nous tenons l'œil sur eux. Lakini tukuna bangarishisha paka mzuri. Il est à la porte de la sortie. Eku ni kumulango ya kutokea hapa. Petit vent. Entre les mains du diable. Kaloko tu mumikono ya shetani. Parce que j'ai déjà pris les témoins. Kwa sababu misha kuchukua washuda. Donc mes bien-aimés frères et sœurs. Kumbi wapenda nduku na dada. C'est tellement bon que il faut que j'arrête. Ibi ni bizuri kabisa lakini napendeza tu nishimamishi. Parce qu'il est temps. Kwa sababu wakati natimia. Donc la religion, kumbi dini du sang, dini ya damu, ou la religion de la délivrance. Voilà dini ya wokovu. Frère madame dit, nama nasema, quand Jésus était sur la terre, wakati Yesu alikuwa pa dunia, il a rencontré des gens, alikutanishanaka na watu, qui avaient besoin, wale walikuwa na hitaji, des solutions dans leur vie. Majibu maishani mwao. C'est ça. Dans Jean 4. Katika Yohana sura yake ya 4. Amen. Amina. Quand on vient à l'église, wakati tunakuja kanisani, peut-être tu es malade. Sasa zingine uko mgonjwa. Les médecins ont dit c'est ton cas est désespéré. Wanganga wanasema njia magonjwa yako hakuna matunzo. Quelqu'un t'a dit non, chez nous on prie pour les malades. Mtu fulani anakuambia sema kwetu wewe kunaombea wagonjwa. Unakuja. Peut-être tu as un problème, tu n'as pas d'enfant. Sasa zingine uko na mambo au una matatizo. Peut-être tu as un problème, tu n'as pas de mariage. Sasa zingine uko na matatizo au una na ndoa. Il y a beaucoup de problèmes. Et frère Branham dit, la religion de Christ, le christianisme, ou christiani, a donné des solutions à tous nos problèmes. Mais nous nous entêtons. Nous ne suivons pas la voie pourvue par Dieu. Chacun veut suivre sa propre vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas délivrés. C'est pourquoi il y a ces problèmes. Il dit dans le message, il faut, c'est par là que je vais arrêter pour aujourd'hui. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Divin si Juin 1960. Frère Branham dit. Paragraphe 61. Du temps de Jésus de Nazareth. Wakati ya Yesu wa Nazareti. Quand il était sur terre. Wakati alikuwa pa dunia. Marchant dans la chair. Alikuwa anatembea katika mwili wa wanadamu. Et trouvant en son jour les gens en quête d'une religion. Wakati yake alikutanishanaka na watu wale wanaanza tafuta dini. Qui leur apporterait la délivrance. Ile ripasha kuwaletea ko ukombozi. J'ai tout fait pour arrêter la boisson. Mimi nafanya mwangu mwote njia kuacha kwa mpombe hakuna namuna. J'ai tout fait. Mimi nafanya mwangu mwote pour me dépasser, pour ne pas suivre les filles, les femmes. Tu ni chance kupata bandu. Je suis toujours là. Tako bandumba mimi siweze. Eh, qui peut me délivrer? Ni nani anaweza kunikomboa? Jésus a rencontré des gens comme ça. Yesu alikutanishanaka na bantu baye. Il voulait une religion. Barikwa na penda
qu'il les délivrerait de tous leurs maux, de tous leurs problèmes et de leurs ennemis. Vous connaissez notre plus grand ennemi, votre adversaire, le diable. C'est ça notre ennemi. Il est le... Qui peut nous délivrer? Ni nani anawezi kutukomboa? Qui peut me donner la victoire? Ni nani anawezi kunipatia ushindi? Sur mes ennemis. Juu ya maadui zangu. J'ai lu dans Exode 23. Disoma katika Kutoka sura yake 23. Voici j'envoie un ange devant toi. Tazama na kutumia malaika mbele yako. Hallelujah. J'envoie un ange devant toi. Mimi natuma malaika mbele yako. Pour faire quoi? Juu ya kufanya ni pour te protéger en chemin. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Mais si tu écoutes ça, si tu fais tout ce que je te dirai, d'abord j'envoie un ange devant toi. Autrement dit, c'était mon ange, c'était si tu écoutes tout ce que je te dirai, je serai qui? L'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Partout tu pars, mon ange. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Il te conduira chez les Amoréens. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu les détruiras. Et vous me servirez. Et qu'est-ce que je ferai? Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. J'éloignerai les maladies du milieu de vous. Parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Pas de femmes qui avancent. Amen. Amina. Je ferai tourner les dos devant vous à tous vos ennemis. Dans une autre qui te dit, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront comment? En te bantant. Le même Dieu qui ne change pas. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Élie est venu avec un ange, avec la moto. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Obéis. Ce que frère Branham dit. Obéissez. Alors le Dieu de Branham sera l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire des adversaires. Il bénira ton pain. Il bénira ton eau. Il bénira ton travail. Il bénira tes enfants. Il éloignera les maladies. Alléluia. Alléluia. Le Dieu immuable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui notre Dieu. Il nous a donné une religion. La religion du sang. La religion de la délivrance. Un seul peut te délivrer de ta maladie, la maladie du péché, la maladie du cœur, le cancer. Il n'y a qu'un seul. La médecine est là. La médecine ne guérit pas. Qui croit ça? C'est ça le message. La médecine fait quoi? Assiste la nature. Mais qui guérit? C'est l'Éternel. Tu es fracturé. Umevunjika. Les médecins ne soudent pas les os. Banganga abaungake mifupa. On arrange les os. Peku natengeneza tu mifupa. On les met comme ça. Banaitengeneza hivi. C'est lui qui t'avait créé. Ule arikumba. C'est lui qui va faire. Ni yeye ndio atafanya ile kazi. Hallelujah. Hallelujah. On enlève l'appendice. Banatosha appendicite. On enlève. Banaiondosha. Ils ont enlevé. Banatosha. Mais qui va guérir? Ça sont la taponya ni nani. Ule atakaushisha kilonda ni nani? Ni Bwana. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana. Qui te guérit? Aliyekuponya. Tu m'as
Vous cherchez la délivrance. Suivez cette religion. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité fera quoi? Vous serez délivré. Nous viendrons pendant la semaine pour avoir une délivrance, pour avoir la guérison. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Que tu puisses accorder à cette église, oh Dieu, des bénédictions multiformes et les bénédictions multidimensionnelles, Père. Que ta paix qui surpasse toutes choses reste avec ce peuple, Père. Que tu puisses les garder toujours dans l'unité, Seigneur, derrière le berger et autour du berger, Père. Qu'il puisse les soutenir. Oui, Seigneur, comme Aaron et Hur avaient soutenu les bras de Moïse. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Que celui qui est faible devienne fort. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que celui, Seigneur, qui est tombé, soit relevé. Une fois de plus, bénis cette église, bénis son pasteur, bénis les officiers. Et que la gloire te revienne à tout cela, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.